Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Foot et aujourd'hui une vidéo où je vais vous montrer 3 exercices et honnêtement ils vous seront tous utiles et ça peu importe votre âge, votre niveau, etc. Ça on s'en fout, tant que vous jouez au foot c'est bon. Plus sérieusement je vais vraiment vous montrer des exercices qui vont vraiment tout travailler et je le répète encore une fois mais du 29 au 31 août je serai à Paris. Donc pour les abonnés qui veulent me voir, venez sur Snapchat, Instagram, etc. Vous tapez ABC Foot et vous me trouverez et là bah, je mettrai toutes les informations sur le sujet. J'espère en tout cas que pour vous votre reprise au foot se passe bien. Pour ceux qui n'ont pas encore repris, c'est rien, ça va bientôt arriver. Et avec les 3 exercices d'aujourd'hui, bah vous pouvez déjà recommencer. Donc c'est parti, je vais vous montrer le premier exercice. Et ici, il y a 2 variantes. La première, c'est quoi? Le but, ça va être de lever la balle, de jongler entre 5 à 10 jongles, voire plus pour ceux qui veulent. On frappe une bonne fois dans la balle pour qu'elle aille un peu plus haut. Et là, vous la contrôlez comme vous voulez. Tant que le contrôle est réussi, c'est parfait. Et ensuite, vous enchaînez par une frappe. Donc ici, on travaille les jongles, le toucher de ballon, les contrôles, les frappes. Bref, c'est vraiment un bon exercice. Ça, on va dire que c'est la première variante. La deuxième, elle est un peu plus difficile. En fait, on va enlever le contrôle. C'est-à-dire qu'on va commencer à jongler et ensuite, on va frapper dans la balle en pleine reprise de volée. Et pourquoi je dis que c'est plus compliqué? Bah, tout simplement parce que la reprise de volée, c'est pas un geste très facile. Et je vous conseille vraiment de la faire de votre bon pied. Je sais pas si vous l'avez remarqué, j'essaie vraiment d'aborder beaucoup de sujets, soit de la technique, du physique, etc. pour vous aider au mieux. Et j'espère que mon travail vous fait plaisir. De toute façon, je compte pas l'arrêter. Maintenant, on va tout de suite passer au deuxième exercice. Ici, il va vous falloir 2 poids de repère. Peu importe que ce soit des plots, des maillots, des ballons, on s'en fout. Vous placez 2 poids de repère à environ 10 mètres l'un de l'autre. L'exercice est très simple. Vous allez faire un aller-retour balle au pied, toujours avec la conduite de balle extérieure du pied entre les plots. Ensuite, vous allez arriver au point de départ. Là, vous allez taper 2 sprints. Un pour l'aller, un pour le retour. Et ensuite, on va reprendre le ballon et on va refaire 2 allers-retours. Donc, le but, ça va être d'alterner entre des allers-retours en sprint et des allers-retours avec le ballon. Vous allez voir que cet exercice-là, il va vraiment bien vous tuer. On va travailler votre vitesse, votre endurance, vos changements de direction, mais bien sûr aussi votre conduite de balle. Et si tu kiffes ce genre d'exercice, bah n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu. Bref, maintenant on va passer au troisième. Et ici, même pas besoin de matériel, juste un ballon, ça suffira. Le but, ça va être de faire comme si vous étiez en match. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'adversaire, ça c'est vrai. Mais le but, ça va être de conduire sa balle, de faire des gestes techniques, de faire des changements de direction, etc. Comme si vous étiez en match en fait. Vous pouvez faire des râteaux, des roulettes, des conduites de balle pied gauche, pied droit, extérieur du pied, intérieur du pied, vous retournez sur vous-même. Et vraiment laisser parler votre imagination. Par contre, un point très important, n'oubliez surtout pas votre mauvais pied parce que c'est vraiment comme ça qu'il va devenir meilleur. Moi je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle vous aura aidé et elle vous aura plu. Si vous voulez me suivre sur Instagram, Facebook ou Snapchat, vous tapez ABC Foot et vous me trouverez. Et moi les filles et les garçons, je vous dis à la prochaine et surtout, entraînez-vous bien.